L'inauguration de la passerelle de Saclay est un moment important pour le département puisque cela s'inscrit dans la résolution des principaux points noirs cyclables que nous connaissons en Essonne. La passerelle de Saclay, c'est un investissement de 2 millions d'euros avec comme partenaire principal la région Île-de-France. L'État également, le département ayant pris en charge 30% de cet investissement. Cette passerelle représente un an de travaux avec la pose de cette belle passerelle par les entreprises au mois d'octobre dernier. Et cela vient représenter un des maillons du plan vélo départemental, puisque le département soutient extrêmement activement le développement des mobilités douces.